Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Sophie Louis. Bonjour. Voilà, vous êtes aussi l'invité du vendredi, d'un vendredi sur deux dans cette dose d'humour. Garde alternée de l'humour. Garde alternée, oui, c'est voilà, ça. Garde alternée pour l'humour. Vendredi 13 en plus. Oui, ouais. C'est la poisse, quoi. C'est un peu la poisse, j'avoue. Voilà. Mais non, en fait, vous savez d'où ça vient, le vendredi 13 ou pas? Non. Non, ça vient du fait que Jésus-Christ a été, comment on dit, cloué. Crucifié. Voilà, exactement. sur la croix. Un vendredi 13. Moi, ça fait longtemps que je suis maman solo, je vous avoue que j'ai appris à bricoler sans me foutre des clous dans les mains. On ne parlera pas de ça, non. Mais j'ai la poisse, j'ai été piratée, mon Facebook, on m'a piraté mon Facebook. Ah, oui. C'est vraiment, c'est oui, vraiment je vous dirai pas comment, parce que c'est très humiliant, vraiment. C'est ah non, maintenant on veut savoir. Non, j'ai répondu à des messages auxquels il ne fallait pas répondre, oui, évidemment. Cliquez pas sur tous les liens qu'on vous envoie. Il y a plein de phishing en ce moment. C'est horrible, ne vous moquez pas de moi. Vraiment, non, et j'ai découvert ça alors que j'étais en France, loin, en week-end, déconnexion, façon nature et saucisson, tu vois le genre. Et tout d'un coup, un petit shoot de réseau aux toilettes vite fait, comme ça, et paf, assailli de message en mode « Hey, c'est toi qui m'envoie ce message bizarre !» Non, ce n'est pas moi, je voulais me déconnecter. Mais pas à ce point-là, j'ai perdu 1176 amis, c'est horrible. Vraiment? Oui, j'avais tout ça. Oui, ne faites pas l'étonner, Charlotte, sérieusement. Ah ouais, vraiment, c'est fou. Non, mais de les avoir perdus, pourquoi perdre? Mais parce que j'ai perdu mon profil, c'est fini. C'est le horrible. Compte est fermé. Ah oui, il y a des âmes bienveillantes qui m'ont dit « Attention, est-ce que tu as partagé des données sensibles ?» Évidemment, je fais que ça, je suis humoriste, c'est ma vie de partager des données sensibles, c'est mon hobby principal avec foutre en l'air la vie de mes ex, sérieusement quoi. Non mais 1176 amis, 1176 fans, c'est ma carrière qui est en jeu, on s'en fout des données quoi, sérieusement. Évidemment qu'il y a des ordis qui sont en train de tourner en boucle pour essayer de rentrer dans ma banque, mais de toute façon, ils vont gaspiller plus en électricité que ce qu'ils vont trouver sur mon compte, tu vois, je ne m'inquiète pas. J'ai tout tenté pour récupérer mon profil, je me suis googlée même, vous voyez, pour essayer de retrouver une photo de mon profil pour rentrer par un autre... Vous êtes déjà googlée? Ouais. Oui, c'est vrai. C'est effrayant un petit peu. Vous n'êtes pas googlé, vous? Moi aussi, Fabrice. On a tous un petit égo quand on travaille à la radio ou la télé. C'est ça, exactement. Et j'ai découvert qu'il y avait une Sophie Louis qui était morte début octobre. Je me suis dit, waouh, c'était donc Facebook ou la vie. Ouf, merci. Vraiment, sale moi pour les Sophie Louis. Bref, non. Mais donc, j'ai tout essayé pour récupérer mon profil. Mais en fait, il faut que je me re-hack moi-même. Je n'ai pas ces compétences-là. Les gens qui font ça, ils ont des compétences de dingue. En fait, ils pourraient gouverner le monde. Tu vois, en termes... enfin, moi, j'ai bossé dans la réinsertion professionnelle. J'ai envie de dire, une autre vie est possible. Des copains, pourquoi tu restes dans ta chambre sombre à bouffer des chipitos et à envoyer des messages en mode est-ce que tu peux m'aider? Non, vraiment c'est n'importe quoi. On m'a soutenue, mes amis m'ont envoyé des liens en mode suis c'est toutes les étapes, tu vas pouvoir récupérer ton profil, n'importe quoi. J'ai fait ça 15 fois, j'ai envoyé tous les documents, ma carte d'identité, mon adresse mail, tout ça, j'ai cru que je me refaisais hacker. Oui, c'est possible. Et à la fin, tu tombes sur un petit message Facebook qui dit désolé. Si vous êtes ici, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Oh, non. On comprend que c'est frustrant. Frustrant ! Marc, j'ai envie de te buter. Tu m'as donné un jouet, tu me le retires. C'est Mark Zuckerberg. Hein, évidemment. C'est pas, évidemment. Je le dis pour tous les ex qui s'appelleraient Marc. Il y a un autre Marc ? Sérieusement. Non, j'ai envie de sauter sur son bide et de lui faire recracher du sang comme les petits canards dans le bain. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais horrible. J'ai respiré longtemps après avoir foutu mon poing dans un mur par inadvertance. Et je me suis recréé un nouveau profil. Et je quémande des amis. Merci, vous avez accepté, Fabrice. Charlotte. Moi aussi. Non, vous aussi. Vous avez accepté. Non, elle a accepté sur le faux profil. Elle est en train de donner de l'argent que vous lui avez réclamé sur le faux profil. Je peux vous donner mon compte directement. Hein, soyons. Bref. Sophie Louis, donc il y a un nouveau profil. Oui. Ouais, ça concerne Facebook, ça concerne Instagram. Vous êtes où, vous? Non, heureusement, Dieu soit loué. Instagram est sauvé. Instagram n'a rien eu. N'a rien eu. Donc on peut suivre Sophie Louis sur Instagram et on peut demander la nouvelle Sophie Louis. C'est quoi, est-ce que vous êtes un peu une nouvelle femme? Voilà. C'est moi avec un micro. Voilà. Vous avec un micro, ça c'est le bon profil. Ça, c'est bon. Les autres, ce sont des usurpateurs. Et si on veut vérifier à quoi ressemble Sophie Louis en vrai, parce que les réseaux sociaux, on ne sait jamais, ce sera le lundi 23. Oui, au Comedy Kate. Au Comedy Kate, le lundi 23, c'est lundi prochain ça? Non, c'est celui d'après. Voilà, donc dans 10 jours exactement, lundi 23, au Comedy Kate, tout près de la place Saint-Géry. Merci Sophie.